Salut tout le monde, c'est Lilian et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour, je crois, vous l'avez bien vu au décor, pour vous parler Harry Potter et pour plus précisément vous parler du marathon Harry Potter. Donc l'année passée, Cassandra de la chaîne et du blog Croclémo, je vous mets le lien de son blog et de sa chaîne en barre d'infos, a créé le marathon Harry Potter. Donc il se déroulait fin mai et j'avais pas fait des fin mai, mais j'avais fait plutôt début juillet parce que ça, les dates m'arrangeaient pas trop. Et donc du coup cette année je lui ai demandé si elle comptait le reprendre cette année, le refaire cette année. Et elle m'a dit que voilà, elle avait mis en place un club de lecture et donc elle avait peut-être pas spécialement le temps de le faire cette année. Donc je lui ai demandé si je pouvais pas organiser, refaire une édition cet été. Et elle m'a dit que franchement elle m'a dit pourquoi pas, vas-y lance-toi. Et donc c'est le sujet de la vidéo puisque je vais vous annoncer que j'organise un marathon Harry Potter. Donc ce marathon se déroulera du 15 août 2016 au 28 août 2016. Donc c'est du lundi au dimanche et c'est 2 semaines, juste avant la rentrée. Donc pour moi c'est parfait. Donc le but du marathon c'est très simple, c'est de lire le plus, enfin de se replonger le plus dans le marathon Harry Potter, puisque le marathon consiste à lire le plus de livres Harry Potter possible, enfin à lire et à se faire plaisir au niveau des livres Harry Potter, mais aussi à regarder les films. Pour ce qui est de la lecture, on peut aussi bien lire les 7 tomes de la saga, mais aussi, par exemple, les tomes tels que Les Animaux Fantastiques, Le Quidditch à travers les âges et Les Contes de Bidule le Barde. On peut aussi se décider à lire le Harry Potter illustré, ou encore le roman, des romans à l'écran, ou alors le livre La Magie des Films. Voilà, on peut vraiment lire tout ce qu'on veut du moment que ça touche un petit peu à l'univers d'Harry Potter. Pour les films, Cassandra l'année passée avait établi une sorte de planning. C'était un peu chaque date, on regardait tous le même film, comme ça on pouvait en parler sur le groupe Facebook dont je vous parle tout à l'heure pour bien échanger et discuter sur le sujet. Donc cette année, j'ai décidé de refaire une sorte de petit planning, donc je vais vous en faire part tout de suite. Le lundi 15 août, le marathon regardera Harry Potter à l'école des sorciers. Le mercredi 15, 17 août, pardon, nous regardons Harry Potter 2. Le 19 août, Harry Potter 3. Le 20 août, Harry Potter 4. Le 22 août, le Harry Potter alors et l'Ordre du Phénix. Le 24 août, nous regardons Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Et le 26 août, nous regardons Harry Potter et les Règles de la Mort, partie 1. Et enfin, le 27 août, nous regarderons Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Donc voilà pour le planning des films. Vous n'êtes évidemment pas obligé, si vous participez au marathon, de commencer à regarder dans le même planning que vous. Vous avez une vie à côté, je le conçois très clairement. Mais n'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook vos avis et tout ce qui va avec. J'en viens du coup maintenant à ce groupe Facebook justement, puisque comme l'année passée, Cassandra avait créé un groupe Facebook. Cette année, j'en ai créé un également, donc je vous mets le lien de ce groupe Facebook dans la barre d'infos. C'est Marathon HP, tout en majuscule, je crois, que j'ai mis, mais voilà, je vous mets de toute manière en barre d'infos. Donc sur ce groupe, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo en écrit, en publication épinglée sur le groupe, mais aussi vous allez pouvoir discuter, donner vos avis sur les différents livres et films. Vous allez pouvoir aussi nous dire ce que vous avez pensé de vos lectures, nous poster, enfin poster des chroniques sur le groupe, des chroniques ou des vidéos qui donnent votre avis sur certains livres ou sur votre relecture, ainsi que plusieurs trucs dans le genre, comme ça on pourrait aller voir et découvrir de nouveaux chaînes et de nouvelles chaînes et de nouveaux blogs. C'est un peu le but aussi de ce marathon. Je vous demanderai seulement de mettre quand même une petite description avec et pas de juste poster l'article ou juste poster la vidéo. Comme ça, histoire de s'y retrouver un peu plus, ce serait cool. En plus du groupe Facebook, il y a également un hashtag qui a été créé, donc c'est le même que l'année passée, donc c'est Marathon HP tout en minuscules. Là aussi, je vous le mets ici et je vous le mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à poster plein de photos et à l'utiliser notamment sur Instagram, Twitter ou plein d'autres réseaux sociaux. Un truc que j'ai oublié de dire pour les films, j'en suis désolée, c'est que nous commencerons à les regarder vers 20h30, histoire que tout le monde commence en même temps, ce serait cool. Et comme ça, on peut donner des avis en même temps et c'est vraiment sympa. Avant de finir cette vidéo, je voulais vraiment remercier Cassandra qui me laisse refaire, oui, une édition de ce challenge. En attendant le 15 août, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le groupe Facebook. C'est en groupe fermé, mais ne vous inquiétez pas, j'accepte tout le monde. Donc il suffit juste de demander une inscription et je vous accepterai et vous pourrez rentrer dans ce groupe.
J'espère que ce marathon va très bien se passer, que nous avons beaucoup échangé sur Harry Potter et que voilà, ça va vraiment permettre à beaucoup de gens de replonger leur saga un peu chouchoute. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à m'envoyer un mail ou à en parler sur le groupe Facebook. Je vous répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour nous replonger dans la saga Harry Potter.